Ainsi, vous-même, regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme aux instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que nous sait que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, amen, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quelles fuites portiez-vous alors? Des fuites dont vous rougissez aujourd'hui,
car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenir esclave de Dieu, vous avez pour fui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À travers ce texte, notre sujet de ce matin, c'est la chaîne de l'Évangile. Et focusons, c'est le verset 16 au verset 18. Écoutez, au verset 16 dit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Voilà pourquoi nous parlons ce matin de la chaîne de l'Évangile. L'Évangile est une chaîne. L'Évangile est une chaîne liée qui m'a le monde. De même que le péché m'a le monde, et bien l'Évangile, il y a deux bagailles qui fait. L'Évangile a brisé votre péché pour le malheur ou non, généralement, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'esclavage, on dit l'esclavage, c'est la condition de l'humain qui est la propriété de notre humain. L'esclavage, c'est ces conditions au monde qui trouvait dans ma tutelle et dans l'autre. Et généralement, on dit, l'esclave n'a pas le droit de faire, n'est-ce pas, aucun choix. L'esclave ne peut pas même décider ce qu'il doit manger. L'esclave ne peut pas décider ce qu'il doit faire au cours d'une journée donnée. Nous-mêmes, qui sommes devenus esclaves du péché à cause de la chute adamique, eh bien, le péché ne fait nous pas décider ça nous fait avec nous. Le péché tellement est dans le vino, Dieu de saleté leur fin produit de la vino, c'est lorsque nous retournons dans nous-mêmes et puis nous sentons nos honte. N'a pas de comment ça se fait. Est-ce que c'est moi, n'est-ce pas, qui l'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai agi de cette manière? Parce que le péché sont drogue qu'il faut agir à dehors, n'est-ce pas, de votre volonté personnelle. Et lorsque Satan le diable a envoûté, n'est-ce pas, il faut agir de façon terrible. Lorsqu'on retourne la conscience dans nous-mêmes que mon Dieu est créé, hein, lorsqu'on jette le regard des fois même nous-mêmes dans notre tête, nous. Voilà ce qui fait dans notre vie l'esclavage du péché. L'esclavage du péché constitue une suppression de la liberté personnelle. L'esclavage du péché, lui détacher de cette liberté personnelle que Dieu donne à l'homme depuis, n'est-ce pas, la création de l'homme, que Dieu donne à l'homme, n'est-ce pas, depuis Éden, depuis le jardin, le paradis terrestre. Le péché a brisé, n'est-ce pas, ce lien de liberté. Mes chers amis, cette liberté, c'est nous qui venons. Ça va le diable fini, les connaît qui richesse liée, la liberté de la vie éternelle.
La liberté de la vie spirituelle. La liberté de vivre, d'agir, n'est-ce pas? Ou de promouvoir de la présence de la Shekinah de Dieu, de la présence de la gloire de Dieu. Satan le diable étant jaloux de cette liberté, lui venant jarder à les courtiser l'homme, lui mentir à l'homme, et nous tomber pour ce diable là. Et bien nous venons perdre cette liberté spirituelle. Nous venons perdre cette liberté de la présence de Dieu. Nous perdons la liberté de la Shekinah. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le sacrifice sanglant de Jésus-Christ a été déjà fait depuis le tabernacle céleste, avant même la fondation, la création du monde. Dieu soit loué. Et si l'agneau qui prend quelqu'un en esclave, il retourne à esclavage, on considère généralement l'esclave comme étant un objet. Vous considérez l'esclave là comme un objet, on considère l'esclave comme une chose, on considère l'esclave comme une bête, quelqu'un, n'est-ce pas, qui a agi par rester, mais quelqu'un qui est privé de tout raisonnement possible. Voilà pourquoi il a agi à bête. Et d'ailleurs, si le psyché de votre collègue peut réaliser cet esclavage du péché, est quelque chose qui nous embête. Cela nous bestialise. Parce que si l'aïeux, n'est-ce pas, en Haïti, quand c'est du diable, lui, soirée, il tourne bourri, il soirée, il tourne chef, il soirée, il tourne chat, il soirée, il tourne tigre, il soirée, il tourne rabette, il soirée, il tourne quel que soit pour les bêtes, s'il vous plaît. Parce que ce que fait le péché, c'est que le péché nous bestialise. Même pas que j'en vois contre le serviteur de Dieu qui transforme en bourrique. La Bible pas que j'en vois contre le serviteur de Dieu qui transforme en chien. Et là, c'est là que le chien n'a pas mauvais coup de bateau. Parce que là, pour entrer ou pas à sortir comme ça, il n'y a pas tout été chien. Lorsque le testimon va être réalisé, n'est-ce pas, il y a un frère qui bat au chat sur nos calis. Libre chaque jour la mine sous nos cali, tandis que les petits malades, bonsoir, les marrons s'en fait, les fait des chats là, les ou les chats là, la chablette, et bien le matin, la bonne dans les dunes, chaque là tous les moules, la bonne plainte de la police, pour la dire la patrie, leur les frères, mais les frères de la police, pour la dire pas de frère, même de la chat. Le sentiment m'a tonné 60 de dunes. Frère, où les chats là-bas qu'on a à souhait? Et puis là, il y a un grand matin. Là, il y a la case, il y a le pot de plainte. Les arrêtés, frère, tu as dit, mais pas de foi, moi, des bas de chat. Et bien, c'est ça le péché fait. C'est ça, Satan le diable fait. N'a pas les quelques mots qui attendent les messages. Si vous prenez le soir, Satan le diable va pour le chien. Si vous prenez le soir, Satan le diable va pour le chat. Si vous prenez Satan le diable, il spécialisé à travers le péché. N'a pas ce matin à soya, quel que soit l'heure, on parle de ça, ça. Jésus-Christ est en mesure pour le délivrer, pour faire des mounes. Satan le diable nous bestialise. Cela nous rend bêtes. Satan le diable fait de nous un instrument. Il fait de nous un objet. Il fait de nous une bête. Voilà pourquoi Satan le diable est tellement fréquent. Depuis le possédon, il vient souligner le choix. Mais l'éclair du ciel a parlé de moi-même, il dit mon serviteur. Lorsque la parole de Moïse, il dit mon serviteur. Lorsque la parole de frère de France, il dit mon serviteur. Lorsque la parole de Saint-Mibel, il dit ma servante. Mais lorsque Dieu va parler de notre servile, il dit au choual moi. Si nous te comprenons, nous t'apprenons que Satan le diable bestialise nous. Mes chers amis, ce matin, nous te posons merci pour le sang versé de Christ qui a franchi nous du péché.
Le Seigneur dans l'histoire de la colonie, côté du côté de Saint-Domingue dans notre terre, lorsque on parle, n'est-ce pas, des mouvements, n'est-ce pas, qui n'ont fait la colonie en tant qu'esclavage, n'est-ce pas, des blancs. On parle du mouvement des esclaves et on parle du mouvement des affranchis. C'est-à-dire qu'il y a là des étapes, n'est-ce pas, à suivre. Il y a des étapes, n'est-ce pas, à franchir. Lorsque les esclaves révoltés contre l'esclavage du blanc, eh bien, nous jouons, n'est-ce pas, pour l'esclave là, lui rentrer dans le processus de marronnage. Il commence à déserter loin des champs côtés et blancs de marée comme objet. Il commence à déserter loin, n'est-ce pas, des champs que blancs de marée comme instrument, n'est-ce pas, bêtement. Eh bien, ils ont commencé à rentrer dans ce grand mouvement. Nous, les Haïtiens, attendez, nous connaissons ce qu'on appelle le mouvement des marronnages. Quand ils ont commencé à prendre mon bouillon, ils allaient, n'est-ce pas, concerter ensemble. Ils allaient commencer à parler entre eux, puis aller éclater le mouvement des affranchis. C'est ce mouvement des affranchis qui pourrait aller par naissance à la liberté de notre colonie, qui prend par naissance au 1er janvier, n'est-ce pas, qui c'est cette bataille, n'est-ce pas, qui allait pouvoir libérer notre peuple, n'est-ce pas, de l'esclavage. Eh bien, ce matin, vous qui êtes, n'est-ce pas, esclave du péché, vous devez aussi bien révolter contre, n'est-ce pas, le circuit du diable. Vous devez, n'est-ce pas, révolter contre la bestialisation du diable. Vous devez commencer, n'est-ce pas, à adopter le concept du marronnage. Marron, ça va le diable. Quittez, Bachia. Jetez vos blés blancs. Jetez vos bouteilles colérées. Jetez, n'est-ce pas, Marlène. Boulez caillot, boulez, n'est-ce pas, le foyer, rentrez dans le marronnage et venez cacher dans ma salle, Jésus. Rentrez dans le marronnage, venez cacher dans ma salle, Jésus. Et lorsque nous faisons le marronnage contre Batio, nous faisons le marronnage contre Lougarou, nous faisons le marronnage contre Ban Chapouel, ou même qui sait, n'est-ce pas, président Chapouel dans Mirissa. Rentrez dans le marronnage, du Satan le diable bouqué, du Satan le diable bouqué vite dans mon perdu, du Satan bouqué vite dans mon chouanou, du Satan suspend bouqué tout le chien le soir, du Satan bouqué tout le chien la feuille, les bêtes le soir, tout suspend tout le monde le soir. Rentrez dans le marronnage, rentrez dans l'ambassade de Christ, et Sabinois, il faut accepter, c'est n'est-ce pas, ce mouvement de marronnage spirituel. L'on rentre en tant que Christ, l'on rentre dans les temps que Christ, pour ne pas la franchir. C'est pas vous-même qui va le faire, c'est Christ qui va la franchir. Amen. Car sa parole déclare, Amen. Si vous êtes, n'est-ce pas, franchi, vous serez réellement libre. Faut passer dans le stade de l'esclavage, pour l'accord pour marron du péché, pour l'accord pour affranchir, et après pour aller l'homme libre. Je dis à moi, je suis libre grâce au sang de Christ. Je suis libre du péché. Je suis libéré, n'est-ce pas, du péché. Vous êtes libéré du péché. Mais la vie à tout le monde de notre cible diable, n'a dit aux leaders haïtiens qui n'a pas agi toujours. Libérez pour nous libérer du péché. Parce que Dieu veut délivrer spirituellement notre pays. Nous avons un problème spirituel. Jésus-Christ déclare, si on affranchit, on est libre. Il nous a fallu dans la colonie un grand mouvement, n'est-ce pas, qu'on appelle le mouvement des affranchis. Mais en Corée, nous n'avons pas besoin de mouvement. Nous avons tout simplement besoin de Jésus. Car il est le chef, n'est-ce pas, de tout mouvement d'affranchissement. Christ peut vous affranchir ce matin.
Il veut vous libérer du péché. On appelle, n'est-ce pas, matière de loi. On dit, n'est-ce pas, de l'affranchissement, un acte juridique qui consiste à donner la liberté à un esclave. C'est ce qu'on dit d'affranchissement. C'est un acte juridique. Et sur le plan juridique, lorsque cet acte-là est signé, parlez-moi encore qui a vu une force esclave. Eh bien, spirituellement, lorsque Jésus a, c'est pas, a signé à la croix notre acte d'affranchissement, amen. Désormais, ça pas le diable ne peut jamais nous ramener afin que nous soyons, n'est-ce pas, son esclave, n'est-ce pas, jamais, jamais. Cette chaîne est brisée et cette chaîne est brisée pour toujours. Nous sommes en route pour le ciel. Nous sommes en train de franchir notre petit bonhomme de chemin afin que nous puissions franchir, n'est-ce pas, la porte de l'éternité bienheureuse. Alléluia. Dieu, n'est-ce pas, m'a fait une promesse dans le livre de Jean au chapitre 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point, amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il offre ma solange matin pour lui dire qu'il prend ça dans le diable qui vous lit. Maintenant, il offre ma matin. Parce que tout a été créé par mon Dieu, Elohim, le Dieu créateur. Tout a été créé par mon Dieu, le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers. C'est pour l'une des raisons qu'il déclare dans le livre de Job, de qui suis-je le débiteur, je le payerai, mais il garde sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Tout m'appartient. Vous qui servez Satan le diable n'est pas pour vous promettre les choses ce matin, mais le diable est un menteur. L'argent est à Dieu, l'or est à Dieu, les diamants sont à Dieu ce matin. Le diable a absolument rien. Voilà pourquoi, même lorsque ça va de la rompre à la mer, de toi je les valoir parce qu'elle va mourir. Amen. 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 Menteur comme Michel. Et cet acte juridique qu'on appelle affranchissement, Dieu voulait affranchir, n'est-ce pas, certaines personnes ce matin. Au niveau de l'affranchissement, il y a ce qu'on appelle l'affranchissement vindicta. C'est une expression latine. L'affranchissement vindicta, c'est un affranchissement quand une tierce personne allait devant le magistrat quand elle a réclamé la liberté de l'esclave. Est-ce que vous comprenez ce matin? Cet affranchissement vindicta, c'est quand on dit une tierce personne allait par devant le magistrat pour réclamer la liberté, n'est-ce pas, de l'esclave quelconque. Et bien Jésus-Christ, n'est-ce pas, depuis avant la fondation du monde, depuis avant le sacrifice même du tabernacle céleste, il a bloqué l'idée fait pour nous, ça qu'on appelle un affranchissement vindicta. Affranchissement vindicta, c'est un affranchissement qui réclamait une revendication tierce personne ça. Devant le magistrat, et une fois que le magistrat a fini de signer pour affranchissement esclave, ça après la revendication de cette personne-là, il dit que le propriétaire de l'esclave, depuis le magistrat a fini de signer, amen, propriétaire n'a le pouvoir pour qu'il devienne esclave encore. Amen. Et bien Dieu,
en tant que notre magistrat, Jésus-Christ en tant que notre sauveur, par devant notre Dieu, lui-même a fait une revendication, l'affranchissement vindicta a été fait aussi, et par Jésus-Christ notre sauveur, lorsqu'il paraît devant papa, il t'a compris par le sacrifice là, il t'a compris si acte ça, lui noir, lui revendiquer notre droit que ça va le diable a volé dans le jardin de l'Éden. Christ a revendiqué notre salut que nous avons perdu, n'est-ce pas, en Éden. Christ a revendiqué par devant Dieu le Père, par devant le grand magistrat, notre salut que nous avons vendu à ça va le diable depuis le jardin de l'Éden. Christ l'a revendiqué. Bon Dieu, Jésus revendiqué. C'est là notre affranchissement vindicta. C'est là notre affranchissement de revendication céleste, de revendication spirituelle opérée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, amen, sur le point infâme du calvaire, Jésus a su déclarer: Père, pardonne-leur, car ils ne savent que ce qu'ils font. Parce que la revendication bénédicta, quand il y a personne devant le magistrat, lui demande pardon pour être là. Et puis Dieu a signé l'acte de mon salut, l'acte de votre salut. Et désormais, personne ne peut usurper, n'est-ce pas, ce grand droit, amen, cet acte juridique, cet acte créé, signé par notre sauveur. Personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ déclare, si l'aïeau qui vient à moi-même, c'est papa qui a tiré yo, et personne par rapport à moi-même. Voilà pourquoi. Parce qu'il a revendiqué notre salut. Ça que notre mérité c'était là, la mort. Mais Christ a revendiqué notre salut, il nous a affranchis par son acte de vendita, par son acte de revendication, par son corps offert sur le bois infâme du calvaire. Et voilà pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 16, verset 17, il dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais lui, les choses anciennes sont passées. Christ dit: mais avec Abedita, nous allons marcher pour propriété esclave encore. Parce que magistrat a déjà fini sien. Une fois magistrat sien, n'est-ce pas propriété esclave? Allez voir, parce que esclave là, depuis les magistrats qui signent à salut, non, ça va le dire, pas de droit sur moi encore. Amen, amen, amen. En dehors de l'affranchissement Abedita, il y a ce qu'on appelle l'affranchissement census. Affranchissement census là, c'est l'affranchissement côté après la revendication faite devant le magistrat en faveur de l'esclave. Dans l'affranchissement census là, quoi, il y a chaque second tout esclave saillot que n'est-ce pas tierce personne là, sauveur là, libérateur là, t'as le revendiqué devant le magistrat, et de fois qu'ils ont entré l'esclave saillot dans un registre pour faire connaître l'esclave saillot, ils sont libres. Après mon Dieu, Jésus vient revendiquer nos parts devant le Père, l'inscrit dans nous dans le livre de vie. Amen. L'inscrit de l'autre côté dans le livre de vie. Frère Emmanuel, non, dans le livre de vie. L'église ouverte à Jérusalem, non, dans le livre de vie. Quel que soit le monde de loin, va pouvoir à travers, n'est-ce pas, et les réseaux, mais ça, des pourquoi Jésus, non, dans le livre de vie, parce que Jésus a revendiqué votre salut par devant le Père, le magistrat. Jésus n'est pas inscrit, n'est-ce pas, votre nom dans le livre de vie. Et dans le census, dans l'affranchissement census, et bien l'inscription ça le fait chaque 5 ans, mais dans le census de Dieu, allez, n'est-ce pas, l'inscription ça le fait chaque jour, car l'inscription a été déjà faite depuis avant la fondation du monde. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. C'est le don gratuit de Dieu.
Notre Dieu est le Dieu libérateur. Notre Dieu est le Dieu qui ne ment jamais. Amen. Oui. Lorsqu'il est dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 7, il dit que celui-là qui sauvait, l'autre qui comptait, est mis dans le livre de l'art, de l'agneau, dans le livre de vie. Et absolument personne n'arrivera à effacer mon nom dans le livre de vie. Personne. Personne. Jésus. Par la Bible. Et ceci, c'est ça qui fait. Au moment de la résurrection, durant l'enlèvement de l'Église, la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, il dit que un nom qui va nous mettre sous vous. Alléluia. Il va nous mettre sous. Pas de nom qui a mis comme ça. C'est le monde qui va y aller à mon niveau de là. Ça va être déjà pareil comme ça. Parce que nous marquons déjà. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1er, nous marquons déjà. Et nous sommes marqués par le Saint-Esprit, par le sol du Saint-Esprit, par l'onction de la parole, pour le jour de la rédemption, le jour de la rédemption. Amen. Il y a ce texte-là que j'aime tant. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Et parlant, n'est-ce pas, de l'affranchissement vendita qui recommande une revendication. Parlant de l'affranchissement census qui exige l'enregistrement de l'esclave libéré. Et bien aussi ce qu'on appelle l'affranchissement testamentaire. Que texte et que latin dit testamentum. L'affranchissement testamentaire, nous prenons, comprenez bien, veut dire le ciel non seulement fait l'affranchir nous par sa revendication, l'inscrit non nous dans le livre de vie. L'héritage là, ce n'est pas un héritage non qu'a perdu par ce grand testament qui fait. Nous comprenons le testament. Le papa ou maman bon bien, il écrit au testament et il est légalement scellé. Papa met pour il ne peut parler avec personne, de lui râler le testament et puis la loi reconnaît, c'est ça, papa a dit, c'est le cas fait. Amen. Vous allez? Ah non, on termine le texte pour. On a dit dans Galates chapitre 3, on va attendre que notre affranchissement et la troisième phase de notre affranchissement, elle, ça est un affranchissement. Testamentaire. My God. Un affranchissement testamentaire. Galates chapitre 3, on va aller à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 pour vous. Écoutez bien ça, texte a dit. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Le verset 15, frère, je parle à la manière des hommes, mais ça est lié. Il dit, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais il s'agit d'une seule à la descendance, c'est-à-dire Christ. Christ est l'héritier de la promesse faite à Abraham. Le verset 17, voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé, amen, antérieurement, ne peut pas être annulé. Et si la promesse rendue, amen, sans effet, par la foi, par la loi survenue 400 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Notre affranchissement à Christ est aussi
un affranchissement testamentaire, testamentiel, quand le texte dit bien, il dit voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être à lui annulé. Que dit la vie éternelle, le Satan, le diable, pas qu'à annuler. Diable racial, pas qu'à annuler. Et Azuli, pas qu'à annuler. Dambala, pas qu'à annuler. Parce que le testament a été déjà signé depuis avant la fondation du monde par Jésus-Christ, mon Seigneur, par Dieu, notre libérateur. Amen. Nous sommes libérés, nous sommes affranchis par Jésus-Christ. Lorsque nous avons visité la libération, la liberté, n'est-ce pas, de la déclaration des droits de l'homme, et nous avons demandé de nos jours où est passé, n'est-ce pas, de l'aspect de cette déclaration des droits de l'homme, où est passé l'aspect moral. Parce que l'homme de nos jours, n'est-ce pas, nous sommes entravés là. Nous sommes ici. Parce que tout le monde a défendu la liberté politique, mais la liberté morale est perdue. La liberté morale est tellement perdue. Quand il y a, attendez ça il dit bien. Dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, il dit la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et c'est l'exercice des droits naturels de chacun. N'a de bonne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance, n'est-ce pas, de ce même droit. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Que dire, selon la déclaration des droits de l'homme, ça a une liberté, hein, forte liberté, pas non, pas mêler l'autre là. Et bien la moralité de cette liberté est tellement perdue que l'homosexualité devient légale. Nous voulons dire, n'est-ce pas, aux dirigeants responsables de ce monde que l'homosexualité nuit Dieu et l'homosexualité nuit l'Église de Dieu. Amen. 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 Si on peut parler, n'est-ce pas, de la déclaration des droits de l'homme, maintenant, je suis, n'est-ce pas, dans un circuit où je sens que mon droit est piétiné. Parce que la moralité est perdue. Eh bien, qu'il est le dire ce matin, à chaque grain de monde à travers le monde, qu'attendez message ça, à chaque grain de monde qui a quelque chose auditionné ce message, et bien on dit que Dieu a un plan pour les homosexuels. Amen. 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 Il n'est pas tout à fait perdu. Il a perdu ses sionmons et la donne. Mais nous ne disons pas que il y a des homosexuels qui ont devenu des prédicateurs. Nous disons qu'il y a des homosexuels que Dieu a libéré. Nous connaissons des homosexuels, n'est-ce pas? Affranchissement, vindicte à Yoa, t'as dit en fait de mon Dieu. Amen. C'est dans la grande pour entrer au Bertraï. Parce que ce qui est en train de produire là, c'est un ennemi qui l'a fait. Amen. C'est un ennemi qui l'a fait. Il y a des petits garçons dans le monde qui l'église, qui rentrent dans l'homosexualité. C'est un ennemi qui l'a fait. C'est ma place à mon Dieu. Jésus veut vous libérer, n'est-ce pas, de ce péché-là. Car il déclare, n'est-ce pas, Jean, dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 3, il dit, si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu veut briser cette chaîne ce matin. Dieu veut briser votre chaîne de l'impudicité. Dieu veut briser votre chaîne d'homosexualité. Dieu veut vous affranchir par le biais de l'évangile de gloire. Au niveau de l'homosexualité, il y a son appel dans le circuit des hommes, mais on est sur sa pédérasse. Dans mes amis, on dit ça, lesbienne. Non pas lire. Et on a dit que si les hommes qui siègent au cœur, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, de la chambre du Sénat, c'est là où qui siégeait la chambre des députés, si on a besoin d'aide, puis on connaît qu'il doit plus écrire contre l'homosexualité, allez-y dans le livre de Lévitique. Voilà ce que déclare Lévitique. Au chapitre 18. Tournez et puis pensez avec nous. Dans Lévitique, chapitre 18, nous parlons du comportement de
tué vis-à-vis, n'est-ce pas, à un comportement de l'homme en ce qui a trait à l'homosexualité. Et maintenant, vous allez comprendre rapidement, n'est-ce pas, ce que Dieu va faire avec le monde. Verset 22, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Amen. On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Au chapitre 20 du livre de Lévitique, le verset 13, tenez ça le déclarer. Lévitique, n'est-ce pas, chapitre 20, le verset 13, et je vais lire. Si un homme couche avec un homme, comme couche mes amis avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable et ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes, n'est-ce pas, face à une réalité. Nous devons, nous qui sommes le prédicateur de l'évangile, nous devons déclarer face à l'écran de ce grand monde que l'homosexualité est une abomination. Autrement, nous serons responsables du sang de nos homosexuels. C'est ce qu'il déclare dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 23. Si sentinelle-là, ouais, il y a un danger pendier sous des peuples-là, il va déclarer et des peuples-là mourir. Bon Dieu va demander sentinelle-là sonner. Mais si sentinelle-là déclarer le malheur et des peuples-là va abriter, lui mourir, et que bon Dieu va demander à peuple-là pour sonner. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Car Dieu peut absolument libérer les homosexuels. Car dans le livre de Romains au chapitre 1er, verset 26 et 27, voici ce que déclare la parole de Dieu, verset 26 et 27 du livre de Romains. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions et femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, c'est l'affaire, n'est-ce pas, de lesbienne, par côté, mais dans le champ de nature, quand toute femme besoin d'assembler au coucher avec femme. Le verset 27. Et de même, les hommes, n'est-ce pas, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enfermés, n'est-ce pas, dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses et femmes, et recevant, n'est-ce pas, en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a une triste déclaration du côté de Berlin. Il y a ce type du nom de David Zimmerman. Il se dit, j'ai peur de passer dans une zone où il y a des chevaux. Mon père passait dans une zone pour des chevaux. Parce que mal n'est pas de ma passe à vous faire l'homme à cheval là. Mon père passait dans une zone pour des chevaux. Mal n'est pas de ma passe à vous tomber l'amour de cheval là. Pour qui ça? Parce que dans toutes ces relations, je ne suis pas fréquenté tout ce cheval. C'est ça même qui nous dit, cheval. Et cette déclaration continue dans ce qu'on appelle la zoophilie. C'est là notre film. La zoophilie, c'est l'histoire des gens, n'est-ce pas, qui couchent avec les animaux. Lorsqu'au début du message, nous t'en parlons que l'esclavage du péché nous bestialise. L'esclavage du péché nous bestialise tellement côté parmi l'homme. Il faut, on arrive à inventer, n'est-ce pas, et cette expression-là, ce terme-là, qu'on appelle la zoophilie, parce que des gens qui couchent avec bêtes, my God. Et parce que qu'est-ce que la Bible dit en ce qui a trait à la zoophilie ou aux zoophiles? Les adhérents de la zoophilie. Lévitique chapitre 18, verset 23.
Écoutez ceci. Lévitique, chapitre 18, le verset 23. Et nous allons faire lecture ça pour la gloire de Dieu. Mes amis, les noms disent que le monde finit, le monde finit. Ah, c'est ça pour mon Dieu, je suis dans le ciel pour la vie de créature, n'est-ce pas, que créer. C'est ça pour mon Dieu, je suis dans le ciel pour la vie de créature que je l'ai, une créature qui est si merveilleuse. C'est ça pour mon Dieu, je suis dans le ciel pour voir un casse au capot de soupe au cheval. Lévitique 18, verset 23. Voilà ce que dit la Bible. On a commencé à lire à partir du verset 21 et verset 22. Il dit, tu livreras au cœur de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Et tu profaneras pour eux le nom de ton Dieu, je suis éternel. Tu ne coucheras pour eux avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour ne te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. C'est une abomination. Bon Dieu, t'es guitant. Si vous voyez le temps, extrapolez un peu, parce que là, le Dieu omniscient, il connaît tout le bagaille, il connaît la zoophilie, ça va exister, il connaît le monde, il va connaître les zoophiles. Eh bien, il met en garde. Et dans Exode chapitre 22, le verset 19, il dit, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Il a dit aux zoophiles à travers le monde, aux zoophiles haïtiens, que c'est une abomination et le résultat, la résultante de vos actions, n'est-ce pas, n'est autre que la mort. Et ceci, la mort éternelle. Mais tant que, n'est-ce pas, vous vivrez, il y a toujours, n'est-ce pas, espoir en Dieu. N'a dit au après-midi, matin, quel que soit leur temps, mets-toi à genoux du Seigneur. Tant plus, vous tuez l'essence zoophile, ça dans moi-même. Vous tuez l'essence homosexuelle, ça dans moi-même. Non. Et vous avez essayé de comprendre, lorsque nous sortis dans les petits chapitres 18, il parlait de Dieu Moloch. Et bien, c'est ça qui fait. Mais dit qu'à la part, j'aime qu'à prouver, il est sorti faire mon devenir homosexuel. Parce que le démon de l'homosexualité, on l'appelle Jézabel, c'est le démon de la prostitution. Lorsqu'on parle de Dieu Moloch, c'est ce Dieu-là que les Jésus-Christ habituent à lui consacrer Timonio et l'Espanali et de Fanny, parce que lui, c'est ce Timon livré pour faire un coup, pour tout le petit poil de vente. Et pas que vierge. Même diable fréquent, elle ne comprend pas servir mon Dieu. Et bien, c'est ce Dieu-là que le peuple d'Israël te convoit par la pierre d'Égypte. Lorsque Moïse sur le mont de Sinaï, ensemble avec l'Éternel, et bien à travers Aaron, et bien ils ont fait, n'est-ce pas, votant ça, même Baka, même Insulia, même Moloch-là, et bien c'est ce démon-là qui remplit, n'est-ce pas, de le jour de son fort. C'est ce démon-là qui remplit Madame Marie et qui dit Madame Marie encore pour la son femme qui a besoin. C'est ce démon-là qui remplit Monsieur Yo, qui dit Madame Madame encore pour la son qui a besoin. Puis on connaît moustache avec moustache. Le disait, tu abomines. Nation, mais gloire à Dieu, le sang de Christ est encore disponible. Le sang de Christ est encore disponible. Le ciel a brisé les chaînes du péché pour mener en bas l'esclavage de la justice. C'est pourquoi notre sujet de ce matin, c'est la chaîne de l'évangile. Bon Dieu, nous avons brisé la chaîne du péché pour mettre la chaîne de l'évangile. Car lorsqu'on va chaîne de l'évangile, chaîne de l'évangile là, lui fort par rapport à l'homosexualité. Chaîne de l'évangile là, fort par rapport à lesbienne. Chaîne de l'évangile là, fort par rapport à l'homosexualité. Chaîne de l'évangile là, obligé faire vivre de la sainteté et de la justice de Dieu. Pour terminer,
Lorsque nous tournons les pages de l'histoire, qu'on est nos jeunes au Brésil, gagnent 35% de garçons. 35% de garçons zoophiles qui partent au Japon. 35%. Gagnent 12% là-dedans qui dit qu'ils sont obligés de coucher avec parce qu'ils n'ont pas de partenaire. Gagnent 100% là-dedans qui dit qu'ils couchent avec parce que ils ont passé leur compte bataille attirer sexuellement. Gagnent 67% qui dit qu'ils ont couché avec parce qu'ils ont senti l'amour pour maintenant. Il y a 67% qui couchent avec Bethla. Ils ont dit, c'est pas de la passer par Bethla. Ils ont senti que Bethla les a mis. Qu'est-ce que ça a déjà fait? Au Brésil, il y a 8% de zoophiliens. 8% de garçons zoophiles qui prennent la décision pour quitter pour chaque bête. Mais jusqu'à présent, il y a cherché au Brésil. Il y a une grande femme qui prend la décision de sa son que j'avais, les zéro. Matthieu a dit à le monde que le ciel t'a brisé chez ça. Amen. N'a dit aux homosexuels que Dieu peut absolument briser votre chaîne de publicité, votre chaîne d'abomination. Nous voulons déclarer aux lesbiennes de ce monde que Dieu peut absolument briser votre chaîne d'abomination, votre chaîne de publicité. Nous voulons déclarer aux zoophiles haïtiens que Dieu peut absolument briser cette chaîne de zoophilie. Yes, je peux le faire. Parce que bon Dieu est dans le business sur le monde toujours. Que Dieu vous bénisse ce matin. Qu'il vous remplisse de sa grâce. Et qu'il brise entièrement vos chaînes de publicité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.